Vive le vent! Ce matin, le vent souffle fort. Comme d'habitude, les jumeaux ont l'intention de faire la course pour arriver à leur cabane. Car celui qui gagne a le droit de choisir le premier jeu de la journée. Un bisou rapide à maman, et les voilà partis. « Le vent est mon ami !» crie Flamme pour se faire entendre. « Je suis un champion ! Pas vrai, Chocotte ?» Flamme jette un œil par-dessus son épaule. Dune n'arrive pas à avancer. Elle lutte contre les rafales de vent qui soulèvent sa jupe. Cela fait rire son frère qui, pour une fois, est sûr d'arriver le premier. Pour l'embêter encore plus, il court maintenant à reculons en chantant « Je suis trop fort, je suis trop fort, je suis trop… » Quand soudain… Au secours, au secours, je ne vois plus rien !» hurle Flamme qui s'écroule sur le sol. Dune le rejoint. « Ah, tu es vraiment trop nigo !» soupire-t-elle en enlevant l'écharpe qui s'est enroulée autour de la tête de son frère. « J'ai cru que j'étais devenue aveugle !» renifle Flamme vexée en haussant les épaules. « À qui peut-elle appartenir ?» demande Dune en s'enroulant dans l'écharpe. Au même moment, vole à côté d'elle un grand chapeau. Flamme bondit pour l'attraper. « Et ce chapeau ?» interroge Flamme. Flamme met le chapeau sur sa tête en le retenant bien par les bords. Avec ce vent, on n'arrivera jamais à notre cabane, soupire Dune. Moi si, se vante Flamme. Dune est à nouveau loin derrière quand elle entend. Ouch, 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 crink, crink. Hé, hey, mais c'est mon écharpe, grogne une grosse voix. Dune se retourne, surprise. C'est le vieil ours mal léché sur son vélo à remorque. Il est tout essoufflé. « C'est mon écharpe » grogne-t-il. « Prends-la-moi, illico presto !» Mais Dune a une idée. « D'accord, monsieur l'ours, je te rends ton écharpe si tu me déposes à ma cabane » dit-elle en croisant ses petits bras. L'ours ronchonne mais accepte. Dune grimpe dans la remorque et ils prennent la route. Bientôt, ils arrivent à la hauteur de Flamme, qui est tout rouge à cause de l'effort. « Je t'ai rattrapé, je vais arriver la première, tralalair !» chantonne Dune. « C'est pas juste !» rouspète Flamme. Mais l'ours mal léché a une idée. « En échange de ce chapeau trop grand pour toi, tu pourras aussi monter dans ma remorque, avec ton doudou, bien sûr !» Flamme accepte sans hésiter. Ce jour-là, les jumeaux arrivent en même temps à leur cabane, sans sauter, sans courir et sans même se fatiguer.